Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, vous, vos familles et tous ceux qui sont proches de vous. Dans cette séance d'expression orale, on va apprendre comment donner des arguments pour habiter en ville. C'est-à-dire, on va parler de toutes les choses qu'on aime et qui nous poussent à habiter en ville. Alors, on va commencer par la lecture de ce mini-dialogue. Faites bien attention et lisez avec moi. Simon, qu'est-ce que tu aimes bien en ville? Julie, tout. Les magasins, les rues, les avenues, les cinémas, les centres commerciaux, les terrains de sport, etc. Simon, même les voitures et les embouteillages? Julie, ça ne me gêne pas. Surtout que je me déplace le plus souvent à pied ou en train. Simon, donc, tu es contente d'habiter en ville? Julie, oui, en ville, on est près de tout. Le docteur, la pharmacie, l'épicerie, l'école, le restaurant. Et tous mes amis habitent dans mon quartier. Je les vois souvent. Vous pouvez arrêter la vidéo et lisez le mini-dialogue plusieurs fois pour le bien comprendre. Maintenant, je vais poser quelques questions pour voir est-ce que vous avez bien compris ce dialogue ou pas. Alors, je commence avec la première question. Qu'est-ce que Julie aime bien en ville? Qu'est-ce que Julie aime bien en ville? N'oubliez pas que la réponse doit être avec une phrase correcte. Très bien. Alors, Julie aime tout en ville. Les magasins, les rues, les avenues, les cinémas, les centres commerciaux et les terrains de sport. Qu'est-ce qu'on peut acheter dans un centre commercial? Qu'est-ce qu'on peut acheter dans un centre commercial? Alors, dans les centres commerciaux, on peut acheter des aliments, des habits, etc. Donc, je donne l'exemple de Marjane, par exemple, ou de la Belle Vie. Marjane et la Bellevue sont des centres commerciaux. La question suivante. Est-ce que les voitures roulent facilement en ville? Est-ce que les voitures roulent facilement en ville? Réfléchissez. Eh ben non. Les voitures roulent difficilement en ville. On dit qu'il y a des embouteillages. Les voitures roulent difficilement en ville, on dit qu'il y a les embouteillages. Très bien. Est-ce que les voitures et les embouteillages ne dérangent pas nous dérangent pas Julie? Est-ce que les voitures et les embouteillages ne dérangent pas Julie? Non, ça ne la gêne pas. Non. Ça ne la gêne pas ou ça ne la dérange pas. Alors, gêner, a le même sens que le verbe déranger. Très bien, la question suivante. Est-ce que Julie aime la ville et pourquoi? Est-ce que Julie aime la ville? Alors oui, Julie aime la ville parce qu'elle est près de tout. Oui. Julie aime la ville parce qu'elle est près de tout. Et voilà, maintenant qu'on a fini avec ce dialogue, essayez de le mémoriser et de le jouer par la suite avec un membre de votre famille. Et faites-moi des vidéos si vous voulez. Maintenant, on passe à l'activité suivante. Je vais lire la consigne, lisez avec moi. Écoute pourquoi chacune de ces personnes aime la ville. Donc, on a ici cinq phrases. Je vais les lire et écoutez bien, lisez plutôt avec moi. En ville, il y a beaucoup de magasins. En ville, il y a beaucoup de magasins. Avec mes amis, je peux aller à la piscine. Avec mes amis, je peux aller à la piscine. En ville, il y a beaucoup de monde.
On ne s'ennuie jamais. En ville, il y a beaucoup de monde. On ne s'ennuie jamais. Après l'école, je peux faire beaucoup d'activités. Musique, judo, bibliothèque, etc. Après l'école, je peux faire beaucoup d'activités. Musique, judo, bibliothèque, etc. J'adore me promener dans les grandes avenues. J'adore me promener dans les grandes avenues. Je vous demande d'apprendre par cœur ces cinq phrases parce que ça va vraiment vous aider à enrichir votre vocabulaire. On passe à l'activité suivante. L'activité 2. À partir de ces illustrations, donne d'autres arguments pour habiter en ville. Alors, vous allez bien regarder ces quatre images, ces quatre illustrations, et vous allez me faire des phrases qui donnent d'autres, qui contiennent d'autres arguments pour habiter en ville. Alors, d'abord, je vais vous demander qu'est-ce que vous voyez dans chaque phrase, et après, je vais vous laisser travailler tout seul. Alors, dans la première phrase, quels sont les personnages ici? Donc, on a les membres d'une famille. Le père, la mère, le fils et la fille. Ils sont où? Ils sont dans une salle de cinéma. Ils sont dans une salle de cinéma. La phrase suivante. On a une femme. On a un homme, ce sont peut-être les parents de cette petite fille. Donc, ils sont où? Ils sont dans un musée. Alors, dans un musée, on garde des tableaux, des sculptures, des beaux objets pour que les gens puissent venir les voir. Ici, dans la troisième image, qu'est-ce que vous voyez? Allez, faites-moi une phrase. Donc là, on a des personnes qui se promènent en tramway. Des personnes qui se promènent en tramway. La dernière image. Donc, on a un père avec son fils. Le père avec son fils. Qu'est-ce qu'ils font? Le père et son fils jouent au football. Où est-ce qu'ils jouent au football? Ils jouent au football au stade. Très bien, donc maintenant je vais vous laisser travailler. Écrivez-moi vos phrases sur le cahier de maison et envoyez-moi ce que vous avez fait. Très bien, bon courage les enfants et à bientôt!